Je suis heureuse de vous offrir cette séance d'hypnose. Le but d'une séance d'hypnose n'est pas seulement de relaxer. Le but d'une séance d'hypnose est de proposer des changements bénéfiques. Je suis Noémie Kléber, enseignante en PNL, en hypnose, coach et formatrice d'orientation jungienne. Je vous propose des vidéos gratuites sur de nombreux sujets. Pensez à liker, commenter, partager et surtout, surtout abonnez-vous afin de recevoir mes prochaines séances de coaching lune. Cette vidéo vous est destinée cependant après l'avoir écoutée, offrez-la. Offrez-la à une personne de votre entourage à qui ce cadeau ferait du bien. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire ensemble. Lorsque vous lèverez les yeux ce soir, vous pourrez admirer une superbe sphère lumineuse. Il s'agit de la pleine lune. Si vous ne pouvez pas l'admirer à cause des nuages, alors fermez les yeux et regardez-la au travers les yeux de votre imagination. Cette phase commence 15 à 18 jours après la nouvelle lune et symbolise l'apogée du cycle lunaire. Regardez-la illuminer le ciel de toute sa gloire. Elle est belle, n'est-ce pas? Il y a une quinzaine de jours de cela, lors de notre dernier rendez-vous lunaire, la dernière fois que ma voix vous a accompagné dans les étoiles, il s'agissait de la nouvelle lune en scorpion. J'imagine que consciemment ou inconsciemment, vous avez semé des graines. Je vous invite à prendre conscience du travail parcouru. Prendre conscience de votre intention si forte, si importante pour vous. Cette graine que vous avez semée dans un terreau fertile. C'est maintenant le moment d'en récolter les fruits, d'apprécier le chemin parcouru. Qu'avez-vous accompli? Vos vœux se sont-ils réalisés comme par magie? Oui, évidemment, pour certains d'entre vous, et vous en êtes probablement reconnaissants. Cependant, d'autres n'ont pas eu cette chance de constater la puissance de l'univers. Qu'il en soit ainsi, c'est peut-être l'occasion de prendre conscience de certaines choses. Soyez rassurés, le plan parfait est là. Et la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant est peut-être la plus propice à la réalisation de vos vœux. Il nous est demandé d'avoir foi en l'univers, en ces forces qui nous dépassent. Saviez-vous que l'univers sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous? Probablement que le moment n'est pas encore venu et qu'il est plus judicieux d'attendre un peu. Osez dès lors vous fier à ce calendrier divin. Soyez rassurés, votre heure viendra. Soyez rassurés, votre heure viendra. Mais laissez-moi vous aider à vous laisser aller totalement, complètement. Et commençons par une séance de relaxation. Avant de voyager au travers le temps et l'espace, j'aimerais que vous preniez conscience de votre corps, car c'est avec lui que nous allons voyager. Sentez-vous la présence de vos pieds en contact avec le support qui les supporte? Pouvez-vous faire ce qu'il faut pour les relaxer et les relâcher? Souvenez-vous de ce moment où, après une longue journée de marche, vous avez enlevé vos chaussures. Quel bonheur de libérer les pieds, de les laisser respirer. Cette sensation a-t-elle la possibilité de grimper le long des chevilles pour atteindre la jambe complète? La droite pour commencer, à moins que ce ne soit la gauche, puis le bassin. Notez sa position. Comment êtes-vous installé? Je vous invite à prendre conscience de la sensation de votre corps sur le support, en admettant que ce soit allongé sur le lit, ou bien confortablement assis sur une chaise. Est-ce que votre corps est lourd
sur votre chaise ou bien est-ce que c'est au contraire votre lit qui est léger? À moins que la chaise soit lourde et votre corps léger, si léger que c'est comme si à chaque inspiration, vous pouviez vous extraire en partie de votre corps. Je vous propose de tenter l'expérience à chaque inspiration. Laissez s'échapper une partie de vous. Tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation. Glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous, en toute sécurité. Tandis qu'à l'inspiration, une partie de vous sort de votre corps qui est là, confortablement installé. Cette partie qui s'échappe à chaque inspiration, c'est cette partie de vous qui régulièrement s'évade, comme si, au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler. Une partie de vous resterait là, confortablement installée, à écouter la séance, tandis que l'autre partie de vous en profiterait pour voyager, aller ailleurs et d'ailleurs aller ailleurs en toute sécurité. Seule une partie de vous est confinée. Saviez-vous que la conscience autonoïtique se caractérise par la capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent et le futur? Commencez à voyager mentalement dans le temps, tandis que votre corps ici continue à se relaxer, à se relâcher. Et votre tête est-elle relaxée? Suffisamment relaxée et relâchée? Cela me fait penser à ces longs trajets monotones. C'est probablement la monotonie du trajet qui m'endort le plus. Et c'est toujours pareil. La mâchoire se décroche très légèrement. La tête pique en avant et parfois en arrière à la recherche de la position la plus confortable et agréable pour véritablement se laisser aller. Et c'est à ce moment-là que la langue prend plus de place dans la cavité buccale. C'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment. N'avez-vous jamais vécu ce moment particulier où l'on est ici et en même temps ailleurs comme vaseux? Mais c'est probablement ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes probablement en train de glisser dans un état particulier de la conscience. Ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue. Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol. Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même. Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là. Et tout cela est tout à fait normal puisque vous êtes en train de vivre l'expérience de l'hypnose. Alors, laissez-vous glisser deux fois plus profondément à chaque expiration. Deux fois plus profondément à chaque expiration. Et deux fois plus profondément à chaque expiration, jusqu'à la profondeur idéale pour la laisser transformer. À l'inspiration, vous vous échappez de plus en plus, comme si une partie de vous avait de plus en plus envie de voyager au travers le temps et l'espace. Laissez-vous quitter la pièce dans laquelle vous êtes en imagination, goûtez à ce trésor que vous avez, cette capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent et le futur.
Saviez-vous que l'un des principaux mots-clés pendant la pleine lune est le lâcher-prise? Mais qu'est-ce que le lâcher-prise si ce n'est tout simplement l'acceptation de ce qui est là? Pour aller de l'avant, il nous est demandé d'oser nous abandonner au chemin qui a été tracé pour nous. Mais parfois, ce chemin est frustrant car on aimerait aller plus vite, plus loin. Et parfois même le succès n'est pas au rendez-vous. Certains disent semer, 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 semer encore, sans l'ombre d'une récolte. Mais soyez tranquille, tout est exactement comme ça doit être. Sentez simplement que vous êtes sur votre chemin, correctement placé sur le chemin. Toutes les énergies sont là à votre service. Sentez l'énergie yang qui domine en cette période de pleine lune pour vous aider à vous libérer des situations ou des personnes qui se mettent en travers de votre chemin. Et c'est peut-être le moment de pardonner avec amour. D'ailleurs, Vénus, planète dominante de ce ciel de pleine lune, est un cadeau qui nous est offert pour nous permettre de nous laisser aller avec amour à la vie, se laisser aller avec confiance. Et avez-vous remarqué que vos liens sont teintés de douceur? Mais laissez-moi vous raconter. Qu'est-ce qu'un ciel de pleine lune? Il y a d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune. C'est une tension entre deux éléments qui sont constitutifs de notre essence, de notre base. D'un côté, les objectifs solaires, conscients, et de l'autre, en face, les émotions, les ressentis. Il s'agit de notre sensibilité, ce qui est au fond de nous. Et c'est aujourd'hui le début de la fin. La fin du cycle lunaire qui va se terminer le 14 décembre, lors de la nouvelle lune. Et dans cette logique, il faut se préparer. C'est un moment fort. La lune est la plus éclairée par le soleil et elle renvoie le rayonnement solaire sur la Terre. C'est une énergie forte. Cette énergie a un rôle à jouer. Savez-vous ce qui nous est proposé dans le ciel de cette pleine lune? Nous sommes au cœur même d'une transition. Un moment de répit nous est offert, c'est un moment pour terminer le travail de digestion, pour entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle respiration. Il s'agit de passer de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui lui-même est un axe de connaissance. Nous sortons de l'ignorance pour rentrer dans cet axe de clarté. Entrer dans la lumière, voir d'où les choses viennent. Percevez-vous cette notion de maîtrise par la pensée élevée? Une porte s'ouvre pour dévoiler ce qu'il se cache derrière cet amour de Vénus. C'est un peu comme si on allumait la lumière des forces invisibles. On enlève les mensonges et illusions et regarde avec clarté. Allez voir au-delà des apparences pour connaître la vraie source d'amour. Cette pleine lune est l'occasion de se relier à cette intelligence supérieure. Essayez d'approfondir notre compréhension, de voir clair dans la qualité d'amour et d'où vient-il. Laissez-vous aller à la clairvoyance diurne qui voit les choses par le cœur. Laissez-vous aller à une compréhension élevée du plan mental supérieur qui voit les choses et leurs conséquences. Percevez, ressentez les forces qui sont en train de se manifester. C'est un peu comme s'il y avait une brèche entre notre monde personnel individuel protégé pour aller au-delà de cette limite. Une invitation à entrer dans les plans du ciel, voir plus clair dans ce qui se passe.
nous avons une responsabilité par rapport à ces forces de lumière. Il s'agit de leur donner un espace pour qu'elles puissent venir se manifester. Peut-être même que ce sont des forces de lumière qui vont venir façonner notre monde de demain. Peut-être en tout cas nous y aider. Sentez comment ces forces d'en haut pourraient devenir source d'inspiration. Où sont-elles? Comment sentez-vous cela? Quel est l'endroit de votre corps qui se manifeste le plus en ce moment même? Sentez comment ces forces d'en haut pourraient venir vous inspirer. S'engager à travailler intérieurement, ressentir ces forces subtiles. Sentez-vous l'ignorance se dissiper, se laisser être sensible à ces forces du ciel. Il s'agit maintenant de se laisser faire un travail intérieur, faire une pause. Méditez sur ce beau secret de cette pleine lune. Percez et vous verrez le beau secret de cette pleine lune. Persévérez. Laissez-vous aller à ressentir ce qu'il y a à ressentir. Des images apparaissent, des idées, peut-être des images plus ou moins claires. Certains ne verront que des formes, d'autres s'endorment. Et d'autres rêvent un rêve. Des choses se passent, tandis que votre conscient est là et entend le son de ma voix, votre inconscient fait tout autre chose. Percez et vous verrez le beau secret de cette pleine lune. Persévérez. Il s'agit maintenant de se laisser faire un travail intérieur. Laissez advenir. Laissez aller à l'inspiration et à l'expiration. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette pleine lune. Et ce soir, avant de vous coucher, je vous invite à déposer quelques gouttes d'huile de lavande sur votre oreiller pour favoriser le sommeil réparateur. Et vous pouvez le faire au travers les yeux de votre imagination. Vous savez probablement que son parfum apaise l'esprit et calme le corps. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. À vous qui êtes là, confortablement installé. 3.
Vous allez peut-être revenir plus pleinement, plus franchement à l'ici et le maintenant. Et alors que vous vous sentez revenir pleinement là, là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier. Ou en tout cas, vous entendez plus distinctement probablement le son de ma voix, de plus en plus et de mieux en mieux, entendre le son de ma voix. Les diverses sollicitations présentes dans votre environnement, de plus en plus présents, de plus en plus là. Et un, ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Et surprenez-vous. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être plus en accord avec vous-même. Qu'il est agréable d'être plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Et je vous laisse offrir ce cadeau à une personne à qui cela ferait beaucoup de bien.